Monsieur le Président, bienvenue à l'inauguration des statues des trois personnalités marquantes de 2012. Monsieur le Président, bienvenue à l'inauguration des trois... Mais elles sont où les statues ? Mais c'est quoi ce bord... Mais elles ont fondu, bordel ? C'est quoi ce bordel ? Elles ont fondu, là ! C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qui peut m'expliquer ça, là ? Bah, il fait froid dans votre pays, moi j'ai allumé le réchauffage. Vous avez allumé le chauffage ? Toutes les statues, elles ont toutes fondu, là ! Elles ont toutes fondu ! Toutes ! Ah non ! Johnny, il a pas fondu. Non mais Johnny, c'est normal, il est increvable, lui. Qu'est-ce qu'on fait ? Le président arrive dans 5 minutes. C'est aujourd'hui qu'il décide des subventions. Là, on va tous se faire virer, là. Moi, je vous le dis, on va se faire virer. Monsieur là. Le directeur ! Monsieur le directeur ! Le président de la République est arrivé ! On va tous se faire virer. Tiens, mettez-vous là, vous. Vous mettez-vous là, vous allez faire le président. Et vous ? Boubacar, prenez ça, allez-vous changer, vous allez faire Nolwenn Leroy. Ah non, ça, jamais, non. Quoi, vous préférez vous faire virer ? Allez-vous changer, je vous dis. Bon. Vous allez faire Catherine Barma. J'ai pas compris. Je dis, vous allez faire Catherine Barma. Non, j'ai toujours pas compris. Je dis, vous allez faire Catherine Barma. Mais j'ai compris ! Oh, je rigole, j'étais déjà en train d'imiter Catherine Barma. Vas-y, ça, je le laisse là. Au pire, je dirais que c'est la statue de Jérémy Michelac. Bon, on va jamais le croire, hein. Quoi ? Oui, bah, je dirais qu'on l'a fait plus grand que le vrai, sinon on le voyait pas. Ouais. Voilà. Bon, Nolwenn, elle est prête ou quoi, là ? Nolwenn... Oh là 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 là, oh la vache. Bon, prenez la pause. Voilà, et quoi qu'il arrive, prenez la pause, vous ne bougez pas, quoi qu'il arrive. Monsieur le Président. Bonjour, 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 bonjour. Enchanté. Génial, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir au musée Grévin. C'est un honneur pour moi aussi d'être ici. Vous allez voir, nous, on prenons soin de nos statues. Les subventions, vous allez vite nous les accorder. J'espère bien. Passons tout de suite à la première nouvelle statue, oui. La plus sculpturale. Oui. Hein, la célèbre productrice, Catherine Barma. Ah, elle ressemble pas beaucoup. Mais ça, c'est un détail, regardez. Ah oui, là c'est mieux, elle ressemble, là c'est mieux, là on le voit, là on voit Catherine Barma, oui. Je dois reconnaître, monsieur le président, on l'a un peu raté car la vraie est beaucoup plus belle que la statue, oui, bien évidemment. Oui. Et est-ce que je peux me permettre de la toucher ? Bien sûr, je vous en prie. Oui, je peux la toucher. Oh, c'est bien fait. C'est, oh, c'est vraiment bien fait. Hein. On dirait du vrai. Ah oui, du... vous avez vu, hein ? C'est incroyable. Oh, c'est bien fait ça, dis donc. Et puis les statues, l'avantage, c'est qu'on peut toucher sans se faire engueuler. Ah, c'est vrai, on peut toucher sans se faire engueuler, c'est vrai. Rien du tout. Okay. Passons à la suivante. Oh, dis donc. Et... Nolwenn Leroy. Nolwenn Leroy. Elle est noire. Non, elle est pas noire. Elle a bonne mine, elle revient de vacances. Ah oui, Voilà. Et puis regardez, c'est normal, elle n'est pas encore maquillée. Mais oui. Regardez, si juste je lui fais... Regardez-moi ça. Ah ouais. Là, ouais. Voilà. Là, elle est parfaite. Et puis, c'est vrai, dans son dernier album, c'est vrai que sur la pochette, elle est topless. C'est vrai, donc ça. Donc regardez. Oui. Comme ça. Ça. Voilà. Oh oui. Ah oui. Voilà. Ah ben là, c'est frappant de vérité. Oui, c'est vrai, là, on la voit, là. Monsieur le Président, je sais que vous êtes un fan. Oui. Faites-lui un petit bisou. Je peux me permettre... Mais je vous en prie. Petit bisou. Voilà. Monsieur le Président, c'est une statue, faites-lui un bisou sur la bouche, je vous en prie. Ah bah oui, allons-y. Oui, c'est une statue, voilà. Voilà. Passons à la suivante, monsieur suivante, le Président. La suivante, allez. La plus bluffante. Ah ouais, c'est qui ? Bah, c'est vous, monsieur le Président. J'ai quand même pas cette gueule de con. Et si ? Et même dans l'attitude, c'est vous, monsieur le Président. Ah bon ? Regardez-le, il est immobile, il bouge pas, il fait rien comme vous, monsieur le Président. Ah bon ? Pareil. Et puis, l'avantage, c'est que les gens vont se prendre en photo avec lui, mais on peut aussi lui mettre des petites claques comme ah ça. Oui. Des petites claques. Ah vous oui. Avez jamais eu envie de donner des claques à un président ? Ah si, ça si. Défoule. Des petites claques à l'égide, monsieur le Président. Ah oui, ah oui. Oh ben oui. Ah oui, ça détend, ben ça oui. Détend, j'aime bien, oui, j'aime bien. C'est bien ça, ça détend, c'est bien ça. Oh, et est-ce que vous avez d'autres statues dans votre musée ? Bien sûr. Nous avons Bruce Willis. Ah bon ? Il est où ? Et il est juste derrière vous. Ah bon, ça ? Ah oui ! Ah dis donc ! Oh ! Vous lui ressemblez. Oh. Oui. Oh, on me l'a rarement dit. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est donc vous avez Jean-Pierre Coff. Où ça? Juste derrière vous aussi, hein. Ah oui, dis donc. Ah.
Vous y ressemblez. Ouais, je sais, on me l'a souvent dit, oui. Bon, en tout cas, je suis ravi, hein. Je suis ravi, j'ai vraiment été ébloui. Je vous accorde, évidemment, vos subventions. C'est vrai? Oui. Merci, monsieur le président. Mais qui sont? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi les statues, elles bougent? Excusez-moi, monsieur le président. Je vous présente, c'est pas une statue, je vous présente Monique, ma caissière, William, mon vigile. Oui, et c'est pas Noël Leroy? Je vous présente Boubacar. C'est un homme. J'ai embrassé un homme. C'était pas mal. Je suis désolé, monsieur le président. C'est que les statues ont fondu et ont été obligées. J'ai été obligé, moi, de... Obligé de quoi? Obligé de mentir? Obligé de manipuler? Obligé de tricher, c'est ça? Vous êtes viré, monsieur. Non, mais j'ai été obligé de faire ça. Ne discutez pas. Vous êtes viré. Je vous vire, c'est tout. Voilà. Le musée Grévin n'a pas besoin d'un menteur professionnel comme vous. En revanche, je vous offre tout de suite le poste de Premier ministre. Applaudissements pour Sacha Judasco, c'était son 49e passage de On ne demande qu'à en rire. Il y avait du monde sur ce sketch, Steven et Christopher bien sûr, Céline Olinsky et Ahmed Silla. Ahmed en Holwenn, vous êtes magnifique. Ça vous va êtes, non, vous êtes une beauté naturelle en fait. Ouais, une... Moi j'ai fait ça pour rendre service au début. Vous êtes une beauté bretonne sauvage, vous voyez ce que je veux dire? Alors je tiens à passer un petit message parce que moi je viens d'une cité. Ouais. Les gars, quand je rentre, soyez sympas. Vous allez avoir deux, trois problèmes. Vous leur dites que vous connaissez François Hollande, ça va passer tout seul. Ça y est, le jury a voté. On va pouvoir découvrir les notes de Sacha Judasco après ce sketch choral, comme on dit. On commence par la note de Daniel Evenou. 18, bien joué. Michel Bernier, c'est un 18 également. Catherine Barma, 17. Et enfin, Jean-Bel Bigui, 17 également. C'est un bon score.